Bonjour les amis, merci d'être venus jusqu'ici. Voici le Ludicube. Il est plein de surprises délirantes. Préparez-vous pour la fête. C'est parti! Et bonjour à toutes et à tous, c'est Funky et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo détente. Donc là, vous l'aurez compris, sur Mario Party 4, un jeu développé par Hudson Soft et édité par Nintendo, sorti le 8 novembre 2002 au Japon, le 21 octobre 2002 aux États-Unis et le 29 novembre 2002 en Europe. C'est un party game, c'est vraiment un excellent jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Mario Party, je vais vous résumer cette série en un seul mot: fun. Voilà, il y a que ce mot là qui me vient à l'esprit pour décrire la série des Mario Party, qui a commencé sur la Nintendo 64 et qui est toujours en cours avec le 9e opus sur la Wii. Alors bon, je vais vous montrer un peu comment ça se joue en essayant de vous montrer le plus de modes de jeu possible. Comme je l'ai dit, ça a été développé par Hudson Soft, qui a pris la charge de développement des 8 premiers Mario Party, donc du premier au 8e. Et après le rachat de cette société par Konami et la disparition malheureuse de cette société, c'est ND Cube, qu'on peut aussi appeler Nintendo Cube, qui a repris les développements des Mario Party et qui a fait Mario Party 9. Donc voilà, les trois premiers Mario Party sont sortis sur la Nintendo 64, alors tandis que le 4e, le 5e, le 6e, le 7e sont sortis sur la Nintendo GameCube, puisque je joue sur la Nintendo GameCube, j'ai oublié de le préciser alors que c'était ultra important, bravo bravo, le 8 et le 9 sont sortis sur la Wii. Alors il y a aussi eu des jeux sur la Nintendo DS, alors je sais pas si on a eu un sur la Game Boy Advance, je ne suis pas sûr, ça sera à revérifier. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc j'essaierai de vous montrer le plus de choses possibles. Donc on va tout de suite commencer par le mode party, le mode fête, qui est le mode standard des Mario Party. En fait, on va être sur un plateau et on va avancer comme sur un jeu de société. Et entre chaque tour, il y aura 4 personnages de Mario. Et entre chaque tour, il y aura un mini-jeu qui va essayer de nous faire gagner des pièces pour pouvoir acheter des étoiles, les étoiles qui seront primordiales pour gagner la partie. Mais bon, j'y reviendrai plus en détail un peu après. Donc voilà, donc il existe un fichier sauvegardé. Ah oui, parce que j'avais déjà une sauvegarde en cours, donc je vais l'effacer, hein. C'est pas bien grave. Hop là, voilà. Pour conserver les données, continuer sans sauvegarder. Donc là, donc, voir les règles du jeu. Bon, je les mets les règles du jeu quand même pour ceux qui n'ont jamais joué à Mario Party, pour vous compreniez un peu. Donc j'ai mis oui. Alors là on est parti pour une longue phase de tutoriel, je sais pas si j'ai bien fait de le faire, mais bon. Non, j'ai bien fait. Voilà. Donc là regardez, là il y a, vous voyez, 4 personnages de Mario, donc Yoshi, Mario, Peach et Wario. Voilà, donc là le Toad va nous expliquer les règles. J'aimerais maintenant vous expliquer les règles du jeu. Avant de commencer, il faut déterminer l'ordre des tours. Donc voilà. L'ordre a été décidé. Ouais, non, en fait, je quitte le tutoriel, en fait ça sert à rien, je vous expliquerai pendant que je joue. Donc on s'en fout des règles, et voilà. Donc on va jouer, parce qu'on peut jouer solo ou à plusieurs, mais franchement je vous conseille, si vous avez des Mario Party chez vous, de jouer à plusieurs, hein, parce que bon, seul c'est marrant, je trouve ça drôle tout seul, mais à plusieurs c'est juste mortel, c'est magnifique. Donc là voilà, je vais jouer tout seul parce qu'il n'y a personne. J'essaierai de faire des vidéos comme ça avec d'autres personnes. Pour que ce soit un peu plus convivial aussi. Donc je vais prendre Waluigi, qui est mon personnage préféré Hop là. Personnage préféré dans l'univers de Mario. Attends, je vais mettre en difficile. Tiens,
On va prendre les deux frères, les deux couples de frères opposés, Mario Luigi, Wario Waluigi, et je vais mettre en difficile, parce que j'ai l'habitude de jouer en difficile. Ça, vous verrez bien. Donc là, il faut que je choisisse une carte où jouer, donc un plateau. Donc je vais vous les montrer, donc je commence par celui-là, le Casino Goomba. Alors là, vous voyez aussi, il y a plusieurs étoiles à droite, ça montre la difficulté du plateau. Donc là, il y a deux étoiles. Voilà, donc le casino, la jungle, donc une étoile. Le parc d'attractions, le manoir hanté et la plage, et ainsi que voilà, le plateau de Bowser qu'on débloque en finissant une fois le mode aventure, parce qu'il y a un mode aventure dans les Mario Party. J'essaierai de vous le montrer. Bon, ça serait pas très utile de vous le montrer vu que c'est les mêmes plateaux qu'ici. Donc ouais, non, c'est pas très utile. Donc voilà, donc on va aller sur celui que le plateau que j'aime le plus, que je préfère, le Casino Goomba. Franchement, je l'adore. Il est vraiment vraiment sublime. Voilà. Donc là, il faut ajuster les paramètres. Donc là, c'est parfait. Ah, donc on peut mettre des équipes, hein, vous avez vu. On peut jouer par équipe. Ça aussi c'est pas mal du tout, on peut être en solo ou en équipe. Donc je vais faire ça. Alors le nombre de tours, je vais mettre 10 tours, parce que voilà, je vais essayer de finir le plateau, eh bien, pendant la vidéo, hein. Donc là les mini-jeux on peut choisir, hein. Il y a juste des mini-jeux faciles ou tous les mini-jeux, donc je vais tous les mini-jeux. Les bonus, alors ça les bonus, j'y reviendrai pendant le jeu. Et on peut mettre un handicap. Alors là, ça c'est complètement cheaté. Par contre, on peut se mettre par exemple 9 étoiles et laisser 0 pour les autres. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà, donc on va mettre 0 étoiles, hein. Les paramètres sont corrects, oui. Ok, on va y aller. Donc je me suis pas entraîné avant de capturer là. Donc franchement, mon niveau peut être vraiment vraiment pourri. Donc je vais essayer de faire la meilleure prestation possible. Voilà, le casino de Goomba. Voilà, donc là vous voyez un peu le plateau. Ah oui, vous avez vu, il y a différents symboles sur les cases. Je vous expliquerai ce que c'est aussi après. Donc voilà, Waluigi, Wario, Mario et Luigi, bienvenue au casino Goomba. Ici c'est le top. Laissez-moi vous faire visiter. Hey. Alors, hey! J'avais de l'espace et j'en ai fait un casino, c'est la classe, non? Sentez vos cœurs vibrer et vos nerfs craquer en y allant à fond. Alors, qui va jouer en premier? Donc là, voilà, c'était comme disait le tutoriel, regardez ça, il va falloir taper un bloc. Oula, ils ont fait 2, 4 et 3, je vais taper. Et super, je fais 5. Ça veut dire que je vais jouer en premier à chaque tour. Voilà, parfait, en premier, Waluigi. Excellent. En deuxième, Mario. En troisième, Luigi. Et en quatrième, Wario. Voilà. Pour commencer, voici 10 pièces. Parce qu'on commence avec 10 pièces, bien sûr. C'est évident. Les jeux sont faits. Voilà. Les jeux sont faits. Et le jeu commence avec la première étoile par ici. Regardez, voilà. Il va falloir aller vers l'étoile pour gagner. Donc, on commence directement. Donc voilà, j'ai tapé le bloc et j'ai taper 10, donc je peux avancer de 10 cases. Donc regardez, il y a eu quelques interactions comme ça avec d'autres personnages, comme ça, rentrer dans la boutique à objets. Voilà, vous voyez. Voilà, je rentre ici, par ici, je t'en prie, bienvenue à la boutique objets, j'ai tout ce dont tu as besoin. Donc là, on peut acheter. Regardez, il nous vend un mini champignon pour être tout petit, un méga pour être énorme, un super méga. Un super mini et une boule de cristal pour pouvoir voler des pièces ou carrément une étoile à un de ses adversaires. Ça, c'est complètement abusé aussi. Mais bon, c'est pas sûr. Quand on veut voler des pièces, ça marche à tous les coups, mais ça marche pas à tous les coups quand on veut voler l'étoile. Il y a quand même une limite. Donc, je vais rien acheter. Par contre, je vais vous montrer la carte pour vous montrer quand même l'immensité du truc. Regardez ça, c'est assez énorme. Voilà, regardez, avec les différentes cases. Donc je vous explique un peu. Là, vous voyez, il y a des cases avec des champignons. C'est pour avoir soit un mini champignon, soit un méga champignon. Là, avec des points d'interrogation, c'est un événement qui se passe sur le plateau. La bombe, c'est un mini-jeu défi. Donc voilà, c'est un mini-jeu, des mini-jeux assez spéciaux.
Voilà, donc là, le champignon. Bowser, donc là, c'est Bowser qui fait son apparition. L'étoile, c'est la case ironie du sort. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Celui qui tombe dessus va tourner une roue et ça peut changer tout le cours de la partie. Voilà, regardez, il n'y a pas d'autres cases. Bon, les cases bleues pour nous faire gagner 3 pièces. Les cases rouges pour nous en faire perdre 3. Et ça, c'est pour se téléporter vers la position de quelqu'un d'autre. Donc regardez, là ici, il y a la loterie. On peut gagner des pièces ou des objets. Là, c'est un petit mini-jeu. Voilà, là aussi, c'est un petit mini-jeu sur la case hasard. Là aussi, un petit mini-jeu. Là où il y a les flèches, c'est des petits événements, hein. Tout comme les points d'interrogation. Voilà, une autre boutique. Et voilà, il y a ça, c'est le repère de boue du fantôme, donc, pour pouvoir voler des pièces ou un objet, non, des pièces ou une étoile à quelqu'un. Voilà, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait. Donc je vais rien acheter parce que ça serait user des pièces inutiles. Surtout que des champignons, je peux en avoir dans les cases spécifiques. Voilà. Donc là j'ai fait 10 et je suis tombé sur une case bleue, donc j'ai eu 3 pièces et j'ai eu plus 3 et Mario aussi a eu plus 3. Et donc du fait qu'on tombe sur des cases hasard, rouge ou bleu, ça va déterminer l'ordre des mini-jeux. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un 1 contre 3, un 2 contre 2, ou un chacun pour sa peau, parce qu'il y a, il y a plusieurs sortes de mini-jeux. Il y a les mini-jeux où on est chacun pour soi, les mini-jeux où on est à 2 contre 2, les mini-jeux défis. Et les mini-jeux où on est à 1 contre 3, on est soit contre, on est soit tout seul contre 3 autres joueurs, soit on est avec 2 autres joueurs et on est contre quelqu'un qui est tout seul. Donc là, premier mini-jeu, voilà, 4 player mini-game, voilà, regardez ça, il y a un petit tirage au sort, Blizzard attaque, attaque, regardez, voilà, premier mini-jeu pour gagner 10 pièces, c'est 10 pièces par mini-jeu. Courez sur cette mare gelée tout en évitant les boules de neige lancées par les blizzards. On va y aller. On peut s'entraîner avant de véritablement commencer le mini-jeu. Bon, moi je me suis pas entraîné, bon ça sert à rien de s'entraîner, hein. Voilà, donc là regardez, le but du mini-jeu ça va être d'esquiver les bonhommes de neige qui vont nous envoyer des boules de neige. Et en plus là regardez, j'ai mis ah bah Mario s'est fait geler. En plus j'ai mis l'ordinateur en hard. Ok, donc là il faut faire très attention à ne pas se. Oh! Ouf! Faut faire attention à ne pas se faire toucher. Oh là là, ça passait ric-rac là! Voilà, il faut pas que je fasse le. Oui! Voilà, finish! J'ai réussi à gagner le premier mini-jeu. Et donc là vous allez voir, il va y avoir un panneau des scores qui vont nous dire. Voilà, et les résultats. Là pour le moment je suis premier, mais bon, je suis premier vraiment ex aequo, hein, vu que ça se joue juste aux pièces. Allez ça. Donc voilà. Donc ça va être très important de gagner les mini-jeux, parce qu'il y a une étoile bonus à la fin des tours, à la fin du jeu. Il y a des étoiles qui sont distribuées comme ça pour ceux par exemple qui ont gagné des. Plus de mini-jeux qui sont tombés le plus sur des cases hasard et qui ont eu le plus de pièces. Donc là pour le moment j'en ai deux, hein, si provisoirement, vu que j'ai gagné le plus de mini-jeux et que j'ai le plus de pièces, que j'ai eu le plus de pièces au cours eh bien du jeu sur le plateau. Donc là on va avancer. Hop là, donc là je fais 4. Et là il va se passer un truc, regardez ça, parce qu'il y a une roulette au milieu. Bienvenue à la roulette, où tu iras, personne ne le sait. Donc là, si personne ne regarde, glisse-moi quelques pièces et je pourrai te rapprocher de l'étoile. Oh, ok, le pot de vin, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux me corrompre pour l'arrêter? Donc là, on regarde la carte. Donc là, je regarde où est l'étoile. Ouais, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant dans le sens où. Il faudrait que je gagne deux mini-jeux avant d'arriver à l'étoile, donc non, je vais pas le corrompre. Mais je prends le risque de tomber soit sur le vert, soit sur le bleu, ou soit sur le rouge, ce qui me mettrait vraiment très 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 loin de l'étoile. Bon, je prends le risque quand même. Donc non, je veux pas te corrompre.
Moi, je ne prendrai pas le risque, et après tout, c'est toi qui vois, je pensais que tu voulais gagner. Maintenant, lance la roulette. Attention, ça tombe où? Ah là, le rouge, donc je tombe pas là où il y a l'étoile, mais voilà, je tombe là où il y a la loterie. Ça me va quand même, parce que la loterie, on peut y jouer, c'est gratuit, donc pourquoi pas se faire plaisir? Ok, donc lui, il va acheter un objet. Je trouve quand même ça assez abusé que les objets qu'ils ont, ils sont mieux que ceux qui m'étaient proposés. C'est genre eux, ils ont un tuyau pour changer à leur guise leur position avec un adversaire, et moi je l'ai pas eu. Ça m'aurait été grandement utile si je l'avais eu pour changer. Donc là, il faut qu'il change avec moi. Oh non, dommage. Là, il a fait un truc complètement inutile. Et qui est totalement con, parce que ouais, quelque chose de totalement inutile de la part de Luigi. Bravo, bravo, bravo. De toute façon, il va quand même passer à la roulette. Tu vas passer à la roulette. Maintenant, lance la roulette. Hop là, donc ils courront pas. Et lui va tomber sur. Oh la chance! Ah lui, il a eu de la chance. Ah, il a eu la chance, mais il n'aura pas assez d'argent pour. Oh, il va tomber sur Bowser en plus! Oh, il tombe sur Bowser, donc là vous avez vu. Bowser qui arrive. Ah, enfin, c'est pas sûr que ça soit Bowser. Ah, si, c'est Bowser. Parce que ça peut être son fils aussi, Bowser Junior, enfin Mini Bowser. Quoi, à genoux devant Bowser, sinon, blablabla. Ah, mini jeu de Bowser, tu me fais plaisir. Non. Dans ce jeu, oh là là, le perdant donne toutes ses pièces. Ça, il faut que je le gagne. Impérativement. Ah là là, quel mini-jeu ça va être, parce qu'il y a trois mini-jeux de Bowser. Oh, c'est celui avec les fruits. Quand il a le museau jaune, c'est avec les fruits. Attention. Eh ouais, je le savais. Ça j'ai des petits souvenirs quand même. Quand il a le museau jaune, c'est des fruits. Donc je veux pas voir les règles, mais c'est quand même assez hasardeux. Vous allez voir, il y a une liste de fruits qui va défiler et il va falloir prendre les fruits qui ont été dits. Mais franchement, ça va très vite et c'est quand même de la chance. J'ai une faim de loup! Vous, les mauviettes, allez me chercher des fruits pour me rassasier. Quels fruits vais-je bien pouvoir manger? Et regardez, alors cerise, ananas, cerise, pomme, et voilà. J'ai vu melon, j'ai vu cerise, j'ai vu ananas. Ok, donc je vais prendre. Ah non, je suis passé en troisième en plus. Bon, je prendrai le melon, tant pis. Et le premier qui se loupe, et ben il meurt et il a perdu. Donc là, Luigi a pris un ananas. Ce qui est bon. Ce qui est bon, et ça, il va le manger. Miam miam. Et voilà, donc là, Wario, il devrait prendre la cerise. Voilà, c'était à prévoir. Donc là, j'espère que je ne vais pas perdre quand même. Là, vous avez vu, hein, c'est totalement aléatoire. Hop là, trop bon. Donc là, c'est à moi, je vais prendre, hop là, le melon. Normalement, il a dit qu'il voulait manger du melon à la fin. C'est le dernier fruit qu'il a dit. Donc normalement il devrait le manger. Et des fois il est assez fourbe parce qu'il fait des feintes. Regardez, peut-être que là il va la faire. Non. Des fois il se rapproche, il fait genre il va la manger, mais il fait une feinte, puis il la mange, ou il la mange pas. Ah non, il prend la cerise. Aïe aïe aïe, là ça va se jouer vraiment à rien. Parce qu'il y avait deux cerises. Donc là non, il le mange, c'est sûr. Là, délicieux. Ah, j'espère que je vais pas tomber sur le fruit maudit. Ok, donc lui il prend une pomme. Il semble que c'est une pomme. Hein. Est-ce qu'il avait envie de manger une pomme? Telle est la question. Alors, est-ce qu'il a. Je pense à prendre le raisin là après. Regardez. Là, il a fait une feinte, vous avez vu? Il a fait une feinte, mais il l'a finalement mangé. Parce que des fois, il fait une feinte sans manger. Donc là. Ah, lui prend une fraise. Est-ce que ça a été dit la fraise?
Allez, il faut qu'il meure. S'il te plaît. Mange pas, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Ah, là, ça va être dur. Là, ça va être très, très dur. Bon, je vais prendre le raisin. Tant pis. Tant pis, je prends le raisin. Il me semble que j'ai vu raisin à un moment. Là, si mange le raisin, je suis quasiment sauvé. Je suis quasiment sauvé. Allez, mange le raisin, s'il te plaît. Mange le raisin, s'il te plaît. Mange-le! Oui! Oh oui! Oh là 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 là! Bon, bah là, normalement, je suis presque sûr d'avoir gagné. Ah là là. Allez, s'il te plaît, ne mange pas la cerise. Parce que le perdant perd toutes ses pièces. Bon, c'est pas encore trop dramatique de perdre toutes ses pièces au début. Ah, il le mange? Ouh, ça va être dur. Vous voyez, c'est ça le niveau hard des adversaires. Ils trouvent plus facilement les bons fruits. Parce que normalement, avec des adversaires en normal ou en facile, eh bien c'était fini, hein. J'avais gagné. Parce que là, Luigi a eu bon. Donc si Wario a bon, ça va m'obliger à. Ça va m'obliger à. Eh bien, à reprendre un fruit, et ça j'aimerais pas. Allez, il faut pas qu'il le mange, s'il te plaît, ne le mange pas. Aïe aïe aïe. Allez, ne mange pas, s'il te plaît. Oh, il fait une feinte. Oh non! Oh le salopio. Ah non! Ah, je suis foutu. Là, je suis foutu. Ouais, je prends le raisin. Non, le raisin, pas la cerise. Ah, je suis foutu. Là, c'est chaud, là, c'est foutu, là. Là, c'est foutu, foutu, foutu. Allez. Non! Ah, salaud! Ah non, mais non. Petite musique quand il cligne des yeux, le petit bruit. Ah, bien joué. Là, chapeau bas à mes adversaires. Ok, je lui donne toutes mes pièces. Et voilà. Et là, je passe de la première à la quatrième place. C'est génial, dites-moi. Ah, pas eu de chance du tout. Pas eu de chance du tout, là. La vue, c'est quand même assez long, hein. C'est quand même assez long. Parce que le temps que tous les événements s'enclenchent. Oh, ça c'est un bel objet ça, pour rendre un adversaire grand ou petit. C'est pas mal. Ok, donc là il passe le. Il va passer ici, la roulette. Attention. Ah ouais, vous avez vu aussi sur la roulette, il y a des étoiles. Ah bah voilà, étoile, je l'avais dit. Et ça fait 20 pièces. Et en plus il peut choisir sa destination, je crois. Ah non. Oh, le chance qu'il a! Ah, mais dégoûté! Il va avoir l'étoile, Wario! Ah là là, voilà, là c'est un 3 contre 1 mini-jeu. Pièces et chocolat. Donc là, c'est un niveau où tout le monde peut être gagnant, parce que tout le monde peut avoir des pièces. Là, regardez, vous allez voir. C'est un jeu, un mini-jeu. C'est pas un mini-jeu par élimination, mais tout le monde peut avoir des pièces ici. Regardez. Hop là. Le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas tomber. Il faut pas tomber. Mais. Ok, donc là, voilà. Là, on prend les pièces. Ah mince, je suis tombé, mais non, mais quelle buse! Oh, mais c'est abusé ça! Ah non, je peux encore être là, c'est vrai. Ah. Je pensais qu'on pouvait plus revenir, mais si, en fait. Ah non, là j'aurais dû aller à gauche pour prendre les pièces. Oh là 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 là, mais quel empaffé, sérieusement? Non! Oh n'importe quoi, c'est Luigi qui va avoir plus de pièces là. Ridicule. Ah, j'ai pas mon niveau d'antan. Parce que j'avais un véritable petit niveau. Ouais, donc Mario Party 4 est vraiment un des meilleurs Mario Party auxquels j'ai joué. J'ai presque joué à tous les Mario Party sauf au 9.
Ouais, sauf au 9. Et pour moi, c'est mon préféré avec le 5. Que je j'adore. Oh, mais non, je fais 1. Je vais même pas aller à la loterie ce tour-là. Ridicule, quoi. Oh, il fait 10. Non, il aura pas l'étoile. Sauf s'il tombe. Il tombe sur la case étoile, là, sur la roulette. Il peut avoir l'étoile. Non, il va pas le corrompre. Alors, attention. Maintenant, lance la roulette. Tadam! Oh, la chance! C'est pas vrai! Mais ils sont chanceux. Ah, moi, je dis, il y a du favoritisme avec Mario. Hein. Il y a du favoritisme! Le jeu favorise Mario. Déjà qu'il a son nom sur la boîte du jeu. Là, c'est Mario qui l'a dans le baba. Donc là, il va prendre la pièce, évidemment. Hein. Voilà, ça fait qu'il a l'étoile et il est premier, donc. Youhou, I got it. Et voilà, donc là, où est-ce que ça va être? Oh, nickel! Oh, nickel, Chrome. Alors là, il faut impérativement, mais alors impérativement, que je gagne le prochain mini-jeu. Si je gagne le prochain mini-jeu, j'ai une étoile. Oh là 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 là, ouh, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Il faut impérativement, donc, que je gagne. Ah, donc là, je crois qu'il va aller sur une case hasard. Pas sûr. Bienvenue à la bataille des dés, jouons aux dés, si tu fais mieux que moi, tu gagnes bien. Ouais, là, c'est bien. Là, c'est il y a des bons moyens de gagner des pièces ici. Regardez, il a fait 4. Oh, donc là, il va le battre sans doute. Hein. Allez, hop là, voilà. Ah non, il a fait 1. Oh là 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 là. Ah, et en plus, il revient à la case départ. Il revient à la case départ en plus. Oh non, il tombe sur le vert. C'est-à-dire que c'est encore plein d'incertitudes là pour le mini-jeu. Ça va être quel format? Ok, donc là il fait 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Je pense que ça va être un 2 contre 2 là. C'est soit un 2 contre 2, soit un chacun pour sa peau. Non, chacun pour sa peau. Je préfère, vous voyez. Je préfère les chacun pour sa peau. Avalanche, oui! Oh, je me souviens trop bien de ce mini-jeu là, Avalanche. Oh, il est juste génial. Il est juste génial. Attendez, voilà. On peut utiliser les bâtons, en fait il faut aller le plus vite possible. Donc là il peut y avoir plusieurs gagnants dans les mini-jeux comme ça. Il peut y avoir plusieurs gagnants. Donc là comme son titre l'indique, il y a une avalanche. Et voilà, donc là le but, il faut utiliser les bâtons pour aller plus vite. C'est du ski. Et ça, voilà, mon personnage est un peu... Hop là, un peu bizarre. Il bouge un peu bizarrement. Non, là il faut surtout pas... Non! Oh mais non! Mais quel abruti! C'est pas vrai! Oh putain, j'ai perdu. Ah, j'ai plus l'habitude. J'ai vraiment plus l'habitude de jouer. Oh là là, c'est Luigi qui a gagné. Ah, je vous dis, j'ai plus l'habitude de jouer. Je crois que j'ai fait une grosse erreur de mettre le jeu en hard. Ouais. J'aurais peut-être pas dû mettre en hard, vous voyez. C'est un peu plus dur. Oh là là, j'ai pas d'autre choix que de gagner à la tombola pour pouvoir avoir l'étoile. Superbe. Super, franchement. Il manquait plus que ça. Hop là, bon, je fais 9. Un 9 qui sert à rien. Donc, je veux tenter ma tente à la loterie, parce que qui ne tente rien n'a rien. Bienvenue à la loterie. Hop là. Voici. Ah oui, donc il y a un ticket de tombola pour avoir une étoile à la fin. C'est vraiment super hasardeux, jamais vu. Oh là là, il faut que j'annonce 5 pièces. Ah, je pensais que c'était gratuit. Ah, j'hésite là. Bon allez, on le fait parce que je n'ai pas d'autre chance pour avoir l'étoile. Ça te dirait un petit lotode, fait tourner le stick directionnel une fois pour lancer la roue. Donc là vous voyez les prix à gauche. La boule dorée pour avoir 100 pièces, la rose 30 pièces, la bleue c'est un prix au hasard et la blanche bah, c'est perdu. Ok, ton premier prix est 100 belles petites pièces, t'en sens-tu la veine? C'est parti! Allez! Oh non, c'est une boule blanche! Oh là 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 là! Pas vrai ça! Attends, mais pourquoi j'ai pas de chance quoi? Pas vrai!
Oui, j'ai pas 100 pièces. Donc là, je suis obligé de jouer. Hein. Je suis obligé de jouer à ça. Allez, il faut que je gagne 10 pièces. Ouais, il a fait 3. Il a fait 3. Allez, 3, c'est battable. Oh non! Mais c'est pas vrai! Mais c'est quoi cette malchance là? Et le pire c'est que j'allais vous dire Mario. Mario Party, et je suis même pas sur une case bleue, génial. Mario Party, ce n'est pas un jeu prise de tête du tout. C'est un jeu génial justement parce que c'est pas prise de tête. Finalement, je me suis trompé. Oh! Et Mario qui échange avec moi. Non mais c'est un cauchemar cette partie là. Là, cette partie, c'est un cauchemar. Oui, c'est pas un jeu prise de tête, hein, c'est juste que moi, je suis un gros... je suis un gros Ragix hein, quand je joue à des jeux vidéo. Bon, ça, je pense que vous le savez. Hein. Je pense que vous le savez. Ouais. Donc là, il a pris un tuyau. Ok. Ok. Par contre, c'est mieux de... Ça serait bien de gagner le prochain. Impérativement. Oh, il a pris un champignon géant là, le Luigi, qui va pouvoir écraser Mario et prendre ses pièces. Et quand on est géant, on peut avoir deux blocs de dés. Ça nous permet d'avoir comme ça quelque chose de pour aller plus loin. Donc là, j'espère qu'il va pas. Ah, il va le corrompre. Ah, il peut le corrompre lui. Oh là là, il va le corrompre comme ça. Il aura plus de chances d'aller au rouge. Oh, évidemment. Et quand il est géant, vous avez vu, hein, il peut pas aller là où il y a la loterie et tout. Ah, il peut pas aller aussi à l'étoile. Ah tiens, ça c'est quelque chose à noter. Il peut pas avoir l'étoile. Donc là voilà, Wario est ici. Ah bah il fait 2. Ah là là, franchement je suis un peu désabusé par ce qui se passe dans ce début de... Oh, je suis tout seul. Là c'est à 1 contre 3 et je suis tout seul. Pas la guerre de la flamme. Oh non, pas gaffe à la banane! Attendez, c'est lequel? Attendez, c'est lequel? Oh non! Oh non, le truc le plus moisi quoi. Enfin, il est super dur celui-là. Il est super dur, voyez. Oui. Je dois échapper à ces trois machines pendant 45 secondes. Évidemment, c'est moi qui suis tout seul. Pour un peu pimenter le tout! Ah, sérieusement, je vais me faire tuer quoi. Il est horrible ce mini-jeu. Horrible. Voilà, donc la start. Hop là, voilà, comme ça. Ah, par contre, ce qui est bien avec ces espèces de véhicules là. Et voilà. Génial! Non mais j'ai. Bravo! J'applaudis! Non mais j'applaudis! C'est calamiteux. C'est calamiteux là comment je joue. Calamiteux, calamiteux. Mais bon, vous verrez, à la fin j'arriverai quand même à. J'arriverai quand même à gagner. À la fin, je suis toujours plus fort. Vous verrez cela. Donc là en fait j'ai tout intérêt à perdre. À perdre ça là. Il faut que je perde. Là, il faut que je perde ça. Il faut que je perde la bataille pour revenir au début. Quoique non, en fait. Bon, non, il faut que je réussisse. Voilà. Parce que j'ai 10 pièces. Ah, par contre, ouais, ça a l'air d'être. Ça a commencé à chauffer. Ah, faudrait que j'aille au truc duel. La case du duel. Ce qui est énorme. Ce qui est superbe, c'est que ça met les pièces de tout le monde en jeu. Et on peut empocher un joli pactole. Ouais, vraiment un joli pactole. Il fait 7. C'est pas génial de faire 7, hein, surtout quand on a 2 blocs. 2 dés. Ah tiens, le coron. 5. Je suppose que tu ne veux pas l'étoile. Maintenant, lance la roulette. Il va tomber sur le rouge. Non. Oh, abusé. Ah, et ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé, quoi.
Deux fois! Mais deux fois il est tombé sur ça, lui! Oh non, mais je... Mario en plus! Il va prendre le large! Il va prendre le large, ce fumier! Ouais. Prendre le large. Il faudrait qu'il tombe sur la bombe, lui. Hein. Il pourra pas tomber sur la bombe. Aïe, 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 aïe. Oh, il fait 6 là, le Goomba. Oh! Oh, mais non! Mais je vais perdre en plus ce truc de bonus là! je vous l'ai dit, c'est calamiteux ce que je fais. Je suis pas habitué à faire des prestations aussi mauvaises. Bon, en même temps, j'ai mis l'ordi en difficile. Hein. Ça peut se comprendre. Que j'ai du mal. Joue, bienvenue. Donc là, ça serait bien que Wario gagne. S'il te plaît, Wario gagne. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. Il faut que Wario gagne. Ouais, bien. Parce que là, il peut tomber sur la case du défi. La case du duel. Allez, tombe sur le duel. Il me semble qu'il tombe sur le duel là. Ah non! Allez, qu'il fasse 10. Bon, ben là je tombe très loin dans les pièces. J'ai pas beaucoup de pièces. Lancer franc. Oh bah tiens, un petit mini-jeu de basket. Un peu de sport. Ça fait du bien. Ok, donc là je regarde les commandes. Okay, sauter et tirer. Parfait. Je pense que je vais avoir bon. Donc là, les paniers du bas valent plus de points que les paniers du haut. Enfin, plus le panier est bas, plus on met sur un panier bas, plus on a de points. Il me semble. Hein. Ok. J'ai la bonne technique. Ok. J'ai la technique pour avoir les. Ceux au milieu. Voilà. Comme ça. Je gère très bien ce mini-jeu. Okay. Hop là. Ok, parfait. Excellent. Excellent. Voilà, j'ai gagné avec brio là, avec 17 points. Ouf, un peu de... un peu de... de soulagement. Ça va pas être si ridicule que ça. Enfin, j'espère. Allez, donc ça, je vais essayer de tomber sur la case du duel. Oh là là, il reste 5 tours! Oh! Commençons par la tombola. Ah oui, donc il n'y a que moi qui ai un ticket. Que moi qui ai un ticket. Ah, dommage, je l'aurai pas. Oh si! Oh! Allez, il faut que ça tombe deux fois sur Waluigi. Ah non! Oh, il aurait pu faire un tour en plus! Regardons le classement, voilà. En premier, Mario. En deuxième, Wario. En troisième, Luigi. Et en quatrième, Waluigi. Voilà, je suis lanterne rouge. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais finir par gagner la roulette mystérieuse. C'est moi qui vais la tourner. C'est moi qui vais tourner la roulette mystérieuse parce que je suis dernier. Allez! Un bon truc. Oh non! Mais le plus nul! Je tombe sur... Là j'ai pas de chance. Je tombe sur les trucs les plus pourris. Ah, il faut que je fasse 2. Allez, 2. S'il te plaît, 2. Oh, 6. C'est bidon là. Bidon ce que je fais. Là, mon seul espoir, ce serait de tomber sur une case à hasard. Parce qu'une seule case à hasard, c'est l'étoile du hasard. Donc là, il tombe sur un... Il est pas tombé sur un bon ticket de tombola. Try again. Try again. Vous avez vu mon accent, là? Un accent sur British. Try again. Attention. Ça se joue à rien. Ouais, ouais, vous avez vu le favoritisme, sérieusement, ce que vient de dire le Goomba, oh là là, il était temps que tu arrives, Mario. Ouais, parce que sinon, ça aurait pu être Luigi, Waluigi, ou Wario qui aurait pu avoir l'étoile. Ah, oh, c'est pas vrai, en plus, il a encore un tuyau.
Sérieusement. Alors, c'est le... Non, quoi? Non, mais c'est abusé! Attends! Totalement n'importe quoi, là! Ah, mais si en plus j'ai pas de chance... Si en plus j'ai pas de chance... Ouais, bien sûr. Bien sûr, il va être mini. Même si c'est pas... Ouais, ça sert à rien d'être mini, hein. Franchement, je comprends pas trop les... Je comprends pas trop le CPU, parfois. Je dois vous avouer que... Je ne le comprends pas trop. Bon, bien sûr, il va prendre, hein, étoile. Ah, il faut que j'aille tous les prochains mini-jeux. Ça va être ardu. Mais ardu n'est pas impossible. Ok, donc là, la prochaine étoile. Oui! Non! Quoi? Ah, mais c'est pas vrai! Attends, j'y ai trop cru en plus! Non, mais là, c'est malchance puissance 1000, quoi. Oh là 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 là, la malchance de ouf! Ça, c'est de la malchance, quoi. Il n'y a que moi qui ai pas d'étoile! Énorme! Ah non, là franchement, c'est la honte, là. Je vais finir dernier. La prochaine étoile, ouais, super, l'endroit inaccessible de référence. Aïe 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 aïe, c'est pas possible. Bro, Bowser! Non, parce que là, est-ce que c'est Bowser ou Bowser Junior qui va venir? Enfin, mini Bowser plutôt. Non, c'est mini Bowser. Quel. File-moi 20 pièces. Lui, il est plus gentil que son père. 1-1, tu te moques de moi, tu veux en voir encore? Papa, viens voir. Quoi? Ah! Ah, énorme! Oh, magnifique! Quoi? À genoux, oui, à genoux. Qu'est-ce qu'il va faire? Bowser Game! C'est ce que j'appelle un mini-jeu Bowser. Dans ce cas, la moitié. Oh, c'est nul! Le perdant doit donner la moitié. Oh, mais vous avez vu ça? Cette malchance? Deux coups de malchance à la suite au niveau du positionnement des étoiles. Là, j'espère que ce sera un mini-jeu moins pourri. Il y a un mini-jeu Bowser que j'adorais, c'est les fléchettes. Les fléchettes. Peut-être les fléchettes là. Ah, purée, les ballons, quoi. Mais les ballons! Horrible, parce qu'en plus c'est vraiment du pur hasard. Là voilà, il va falloir gonfler les ballons, le ballon sans qu'il explose. Horrible. Enfin, on se tape que des mini-jeux pourris ou que je ne connais plus. Le seul qui était vraiment bon c'était Avalanche. Voilà, je fais un grand saut. Bien sûr, il faut pas que ça explose pour moi parce que sinon ça serait malchance fois 1000. Ok, donc lui il fait un petit saut, voilà. Là c'est aussi assez stratégique. On peut faire des petits sauts comme des grands sauts. Ouais. Oui, comme ça. Attention. Wario. Ah, lui il fait un grand saut. Lui il a pas peur des grands sauts, Wario, hein. Il a pas peur des grands sauts. Allez, donc moi je fais un grand saut aussi. Voilà, comme ça, très bien. Là, je vais commencer à faire des petits sauts parce que ça va commencer à devenir ardu. Ouf, ça va commencer à exploser. Vous avez vu Mini Bowser qui s'éloigne derrière, c'est l'indication pour le ballon. Regardez, alors Mini Bowser s'écarte pas là, qui est celui qui est derrière le ballon. Il y en a un qui met de l'air à Bowser, complètement ridicule ça. Ouais, ça va être à moi. Attendez, hey, je mets pause. Je mets pause 2 secondes, je vais vous dire un truc. Je parie ma maison aux Bahamas que ça va exploser juste quand je vais faire ma charge de sol maintenant. C'est parti, on va voir. Oh non, c'est bon. Vous êtes presque. Ah, mais ça va exploser sur moi encore. Tous les coups. Oh là 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 là, ça va exploser! Oh, et Bowser qui. Vous voyez qui jouit, tu sais. Oh oui! Attention! Aïe 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 aïe! Oh là 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 là, ça va exploser sur moi encore! Allez Wario, fais-le péter!
Oh non, ça pète pas! Oh si, c'est bon! Oh là 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 là! Oh, j'ai eu peur! Et voilà! Et un Wario grillé! Un pour la table 7! Toujours très marrant ça avec le. Avec la petite animation et les. Quand il cligne des yeux, le petit bruit, c'est. C'est bien drôle! Et voilà! Ah, et pauvre Wario quoi! Il se sera fait prendre 20 pièces par Bowser Junior, enfin par Mini Bowser plutôt, ça ne lui ferait jamais ça. Et là il a perdu le mini-jeu. Et en plus il tombe en 1 contre 3. Et on va tomber sur éclat de ballon. Oh éclat de ballon, il est pas mal celui-là. Il est pas mal mais je le préfère en étant tout seul ça. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. On tombe pas sur des. Sur d'excellents. Quoi qu'il est assez simple. Il est assez simple. Voilà. Et nous on a des petits ballons comme ça en papier quoi. Et ça. Ok, donc là, ah oui. Et ça. Référence au saut de Mario, hein. On fait un saut léger. Oh, oh il a failli me pousser Mario là. Voilà, référence au saut de Mario, on fait un petit saut, un saut moyen et un gros saut. Oh là il y avait de l'esquive. Ah, donc là Luigi a pété. Voilà, donc là je fais que deux sauts. Deux niveaux de saut. Voilà, parfait. En fait, il suffit juste de l'enrouler. Hop là, voilà comme ça. Et il suffit de le feinter. Et voilà, ça va être fait. Gagné donc. Voilà, parfait. Excellent, excellent. Et donc on gagne. Ah là on est. Wario est dans une mauvaise passe. Vraisemblablement. Et je commence à remonter au niveau des pièces. Là, il faut que je gagne à peu près tous les mini-jeux là. Faudrait que je gagne tous les mini-jeux. Voilà, il reste 4 tours. Je fais 5. Ah, je pensais que j'allais faire 10. Dommage. Dommage, dommage. Ah oui, c'est vrai que les pièces sont doublées. J'ai plus 6. Oh non. Non. Il va tourner avec qui encore? Mais non! Oh là 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 là. Alors, c'est tout ce que je voulais pas, quoi. Tout ce que je voulais pas! Ah, il arrive que des couilles. Ça, c'est clair. Ah oui, est-ce qu'il va tomber? Non, il va pas tomber sur un. Il ne va pas tomber. Sur la case duel, dommage. Franchement, j'aimerais bien vous montrer ça un duel quoi avant la fin. Bon, encore quelques tours, hein, c'est possible. Et Luigi n'a pas eu de prix à la loterie. Donc on peut désactiver comme ça si on veut aussi dans les options le fait de voir les interactions avec les différentes différents événements des autres joueurs du CPU. Bon, moi ça me dérange pas trop. Oh, donc là attendez. Là, s'il me vise, ça serait du foutage de gueule. Non. Il faut arrêter Mario! Mais c'est Mario qu'il faut arrêter! Mario, ouais, mais Mario, ouais. Très efficace, ça, hein. Faire un 2. Allez. Oh, le justicier à pince, c'était pas mal. J'aimais bien le justicier à pince. Ah, celui-là. Oh non, il est horrible celui-là! Ok. Accélérer, passer les vitesses lorsque votre contour clignote, changer. Ok. Mettez le gaz juste avant le feu vert vers un bon départ. Il ne peut pas trop être mieux. Ok, donc là je vais essayer de faire de mon mieux. Celui-là, j'y arrivais. C'était le seul où je m'y arrivais pas quand j'étais jeune. Non. Là, je vais essayer de faire de mon mieux. Si, je vais le faire. Oh non, je me suis foiré. Je me suis foiré, regardez ça. Lamentable! Je me suis totalement foiré, j'ai fait un mauvais départ. Ah ouais, je suis même pas sur le podium. Même pas sur le podium. Félicitations!
J'ai joué comme un asticot. C'est horrible. Allez, attends. Je regarde la carte. Il faut que je fasse un. Il faut que je fasse deux. Il faut que je fasse deux. Allez, deux. Oh non, mais 6. Allez, donc, voyons un peu ton jeu. Tu fais quoi? Ok, tu fais un 8, génial. Ok, je fais un 4. Donc, je suis obligé de retourner à la case départ. Ah, franchement, j'adore ce jeu, quoi. J'adore ce jeu. Même si je joue très mal. Oui, la boutique! Parfait! La boutique! On va voir, il y a quoi comme objet qui peut être bien. Allez. Oh oui! Oh! Ah, l'objet cheaté! Oh, appelle le génie de la lampe qui t'emmènera tout droit jusqu'à l'étoile. Si là c'est pas de l'objet, je sais pas trop ce que c'est, parce que là, c'est un objet juste parfait. Bon, c'est l'objet cheaté de référence, c'est clair, mais c'est l'objet parfait quand même. Allez, allez, s'il te plaît, fais. Il faut pas qu'il tombe sur la case hasard, parce que s'il tombe sur la case hasard. On est un peu dans la mouise jusqu'au cou. Allez, fais beaucoup. Oui, bien. Fais encore plus. Oui! Très bien ça! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, il patauge! Il patauge, Mario, là. Là, il est en train de patauger dans la choucroute. Ouh, c'est bon ça. Ah oui, et puis lui, il est rétréci, c'est vrai. Il est rétréci. Parce que. Wario a utilisé son objet contre lui. Allez, un petit champignon. Un grand. Quoique il est obligé de rester ici du coup. Et tu fais combien? 7. Merde, il tombe sur la case hasard. Ah, il tombe sur la case hasard. Là, il faut qu'il perde au jeu de dés. S'il te plaît, perds. Gagne le Goomba, gagne! Oui! 8! Oh, la chance est avec moi. Oui! Oh là là, oui! Oh! Oh là là, yes! Oh là, le vent est en train de tourner là! Mes amis, le vent est en train de tourner! Je le sais, je le sens! Voilà, il faut que ça soit un. Chacun pour sa peau? Oui, parfait, parfait, chacun pour sa peau. Je peux le maîtriser. Allez, juste ici à pince, il est pas mal. Oui! Oh là, il y a des. Il y a des petites choses favorables pour moi qui sont en train d'arriver. Le justicier à passe est vraiment excellent. Surtout parce qu'il est assez facile. Ok. Il faut capturer à 3 reprises. Ok. Il faut capturer la personne qui est sur les avis de recherche. Allez. Donc là, je vais y aller vraiment sérieusement. Donc là, il faut que je recherche le Goomba. Je vais t'avoir, Goomba. Ok. Non. Là peut-être, non. Là peut-être. Allez, ouvre, non. Allez, là, là. Parfait. Ok, là. Non, là, oui. Oh, il en a deux, Luigi! Oui! 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 Mais oui! Là, c'est bon, ça! Ça, c'est bon, ça! Oh, là je sens que le vent tourne en ma faveur. Là je dis ça, je dis rien. Depuis quelque temps. Oh là, il reste 2 tours. Là il reste 2 tours. Là c'est les 2 tours de la mort. Les 2 tours de la mort. Et la lampe magique. Allez, la lampe magique, c'est parfait. Excellent. Le génie. Hop là, voilà. Avec ses belles petites chaussures et son gros nombril. Tu m'as appelé, maître. Je suis le génie de la lampe. Je peux t'amener à l'étoile si tu le désires. Abracadabra! Je vole. Allez. Voilà, il était temps que tu arrives. Oui! Ouh, parfait. Allez, allez, allez. Yes! 1 étoile. Et en plus, j'ai encore la chance d'apprendre le dé.
Où est-ce qu'il y a l'étoile? Ah non! Ah non, 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 c'est bon. C'est bon en fait. C'est bon, je regarde un peu. Ok. Donc, ça. Ah non, 4. Ah, c'est bidon. Ah, en plus, c'est par là. Non! J'étais tout prêt, vous avez vu? J'étais tout prêt. Il faut surtout pas qu'il tombe sur hasard, mais non! Il fait un grand nombre. Oh, c'est horrible. Là, il y a de la pression. Là, il y a la pression, là. Allez. Oh, mais quel intérêt de faire ça, sérieux? Parce qu'en plus, il va tourner en rond pendant tout le... Il va faire tout le tour du truc. Et là, intelligence du CPU, j'ai envie de dire zéro, quoi. Regardez. Là, il n'a pas d'autre moyen que de faire... que de tourner en rond. Ouais. Là, franchement... franchement, il est bête, quoi. Luigi est bête. Allez. Oh non, il va pas avoir un bon objet, lui. Oh non. Là, je crains le pire. Il faut pas qu'il ait un tuyau, ni la lampe. S'il pourrait avoir la lampe. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le rapprocher de l'étoile, je crois, non? Ah, j'ai pas lu c'était quoi la description de l'objet. Ça a défilé trop rapidement. Yes! Oh oui, il va pas sur une pièce. Il va pas sur une case bleue pour avoir 6 pièces. C'est plutôt pas mal, ça. Allez, encore un... Chacun pour sa peau? Oui, chacun pour sa peau. Oh, désolé si je m'excite un peu, là. Mais là, allez. Machalot glouton. Machalot glouton. Donc là, il faut appuyer sur A très rapidement, je crois. Ouais, c'est ça. Appuyer rapidement pour avancer. Donc là, ça c'est le... Il faut bourriner sur le bouton A de la GameCube. Ok. Donc là, attention. Là, je pense que je vais bourriner comme j'ai jamais bourriné. Ready? Start! Allez, 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 ah oui! Voilà, j'étais au bout là. Là, j'étais à bout. Oh, je sens bon là. Là, ça sent bon ça. Je le sens bien. Vous avez vu? Et là, dernier tour. Dernier tour. Attendez, je vais voir un peu la carte. Est-ce que j'ai une chance d'avoir le... J'ai une chance d'avoir le... l'étoile. Ah! Je peux pas y aller en étant géant. Attendez, j'ai quand même cherché le coup de poker. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut que je fasse entre 9 et 11. Et je vais prendre le champi géant. Il faut que je fasse entre 9 et 11. Si je fais entre 9 et 11, je peux devenir... je peux gagner. Je peux gagner. Allez, entre 9 et 11. Allez, j'ai fait 3. Allez, allez, s'il te plaît, un bon. Un bon. Oh oui! Oh oui! Oh! Oh! Oh là là! Oui! C'est beau ça, c'est beau! Et en plus des pièces. Allez, là, voilà, je prends les pièces. Hop là. Je bouge pour les prendre. Hop là. Hop là. Voilà, j'ai pris toutes les pièces. Alors là, tout va dépendre de ce que fait Mario. Parce que si Mario tombe aussi sur le... Si Mario tombe aussi sur le... sur la case hasard... C'est moi qui me fait avoir. Oui! Il fait qu'un! Il fait qu'un! Oh là là! Oh! Oh là là! Voilà, et trop de sensations fortes là. Trop de sensations fortes. Est-ce qu'il va battre ça? Oh bah il le bat. Il le bat. Oh là là, que c'est bon ça, c'est bon! Et donc là, dans le dernier tour, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Donc là, attendez, je mets pause 2 secondes. Dans le dernier tour, on peut pas avoir des champignons dans les cages champignons. Allez, là, c'est l'occasion. Ah, voilà, je me suis fait un petit coup d'eau. Voilà, on est reparti. Là, c'est Luigi qui joue.
Ah, on n'aura pas fait un mini-jeu défi. Quel dommage. Quel dommage. Donc là, dernier petit duel. Ce serait bien qu'il le. Oh, bon, là, il peut pas le perdre. Il ne peut pas le perdre. J'allais dire. Oh bah. Oh là là. Un 10. L'écart faramineux. Ah, je vois bien Luigi gagner le. Je vois bien Luigi gagner le l'étoile de la pièce. Je sais pas vous. Mais moi je le vois bien. Attendez, c'est quoi ça le sifflet? Totalement oublié ce que c'était que le sifflet. Oui, ça appelle un chomp. Donc les chompes, c'est une espèce de chien noir là, les grosses boules noires qui font office de chien dans les. Je sais pas ce qu'il fait. Donc là, ils encerclent le Goomba. Ah oui, d'accord. Ça change l'étoile complètement. Ouais, non, mais ça change rien parce que c'est le. Vu que c'est le dernier tour. Vu que c'est le dernier tour, il peut pas l'avoir. Donc c'est un peu useless. De faire ça. Donc là, j'espère qu'il ne va pas faire le. Qu'il va pas faire le jackpot. Enfin, il va tomber sur la case étoile. Sinon, ça serait juste un peu abusé. Abusé, abusé. On va voir. Attention. Non, c'est bon. Ouh, on souffle. On souffle. Pas Bowser non plus, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Donc là, ça pourrait être un. Un 2 contre 2, on n'en a jamais fait. Non, ça va être un chacun pour sa peau. De toute façon, je referai sans doute une référence à. Ah non, là aussi, faut spammer. Oh non, c'est horrible. Là aussi, faut spammer la manette. Spammer la manette, c'est dégueulasse, les mini-jeux comme ça. Allez, voilà, placer des dominos, il faut appuyer très rapidement. Donc, qu'est-ce que j'avais dit en plus? Qu'est-ce que j'étais en train de. Oui, de toute façon, je referai une autre vidéo sur Mario Party 4 où je vous montrerai d'autres modes de jeu. Et j'en ferai aussi sur Mario Party 5, bon plus tard ça. Ok, donc là je suis prêt à spammer. Là si vous m'entendez pas pendant quelques secondes, c'est normal. C'est parce que je suis en plein effort. Et start! Go! Allez, allez! 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 Ah non, il s'est arrêté un peu mon personnage! Oh, il faut que je gagne, il faut que je gagne impérativement. Allez, s'il te plaît, dis-moi que j'ai gagné. Non! C'est Wario. C'est Wario qui l'a gagné. Alors là, j'ai manqué un peu de force sur la fin. Mais de toute façon, je suis pas bon dans les trucs qu'il faut spammer comme ça. Je suis une vraie bouse. Oh, donc là, c'est fini. Là, c'est terminé. Donc, on va voir si je vais gagner. Voilà. C'est la fin, la partie touche à sa fin, le tournée. Cette partie a été intense. Vous voyez, on peut mettre de 10 à 50 tours. Et franchement, 50 tours, ça devient lassant à force de faire le jeu devient lassant. Donc 10 tours, vraiment, c'est parfait parce que c'est vraiment court et intense. Voilà. Donc moi, personnellement, j'adore quand c'est quand il y a peu de tours. La partie touche à sa fin, jetons un œil au résultat. Donc là, pour le moment, hein. Commençons par vérifier combien vous avez d'étoiles. Donc là pour le moment c'est Mario qui serait le leader. Alors là la quantité de pièces. Par contre là je suis pas. Ouais donc là c'est Luigi qui va avoir sans doute l'étoile. Oh là là ça va être suspense. Suspense, suspense. Chaque gagnant de sa catégorie de bonus reçoit une étoile. L'étoile mini-jeu. Qui a gagné le plus de pièces. Oh là là j'ai peur, là j'ai peur, là j'ai peur. Moi! Ah oui! Ça fait une étoile en plus. Allez. Bon, l'étoile pièce par contre. Là, je suis assez réticent. Ouais, c'est Luigi. C'est logique. Logique, logique. Et enfin, l'étoile hasard. Celui qui s'est le plus arrêté sur la case hasard. Et le vainqueur. Yes, 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 yes. C'est ce qui s'appelle faire un hold-up, mes chers amis. Génial. Voilà, le résultat final. Wario va finir quatrième. Suivi de. Eh, vous avez vu? De droite à gauche, ça va faire l'ordre de dernier à premier, de gauche à droite, de premier à dernier. Hop là. Hop là. Ah non. Oh!
Ouais, voilà, j'ai gagné. Le grand gagnant est Waluigi! Voilà, un cadeau s'ouvre. You are the party star! Youhou! Voilà, donc là, suivant. LRD. Résultat. Allez, quatrième. Quatrième Wario, troisième Mario, ça m'a étonné. Je pensais que Luigi allait gagner. Je pensais que, non, je pensais que Mario allait être second. Mais ça s'est joué aux pièces, au fait. Voilà, donc là, vous voyez les résultats détaillés. 3 étoiles, et franchement, ça s'est joué, mais au fil du rasoir, sur la fin, quoi. Épique. Épique partie. Ouf. Là, ça fait du bien, des parties comme ça. Franchement. Franchement. Allez. Total de pièces gagnées dans les mini-jeux. Oh! Oh, quand tu lui dirais ça, total de pièces gagnées dans les mini-jeux, 60 pour moi, 56 pour Luigi. En fait, c'était Luigi le concurrent le plus dangereux. Je disais que c'était Mario à cause des étoiles qu'il avait sur le plateau, mais en fait, c'est Luigi. Bon, bah voilà. Ça s'appelle une victoire. Superbe victoire. Franchement, ah, franchement, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Et voilà, donc là j'en suis à combien de captures? Ouais, bon, j'ai le temps de vous montrer quelques petites autres choses. Donc bon, le mode aventure, pas la peine de vous le montrer, hein, c'est le mode, c'est le mode partie, mais avec un petit aspect aventure en plus. Bon, le mode mini-jeu, c'est pas très nécessaire. Je vais vous montrer celle-là, tiens. Parce qu'en fait, dans les modes aventure, on peut avoir des cadeaux. On peut réussir. Chaque personnage peut gagner un truc. Bon, j'ai fini à 100% le jeu, hein. Je peux le dire. Je l'ai fini vraiment à 100%. Vous savez quoi, j'ai presque même envie de refaire une deuxième vidéo, mais avec les mini-jeux. Seulement des mini-jeux. Bon, on verra. Je verrai ce que je referai. Sinon, vous me direz quoi dans la vidéo si vous avez bien aimé le. Si vous avez bien aimé ou non. Et pourquoi pas me dire des avis. Donc là, allez, c'est la salle des cadeaux de Mario. En fait, il faut finir le mode aventure pour avoir tous les cadeaux là. Regardez, hop là, on les gagne en finissant les différents plateaux. Plus la constellation en battant le boss final, Bowser, parce qu'il y a un mini-jeu final. Regardez, hop là, Luigi, Peach, Yoshi, Wario, Donkey Kong, Daisy, Waluigi. Et voilà, on est retourné. Donc là, regardez, voilà, c'est tous les cadeaux qu'il y a ici. C'est assez sympathique. Allez, voilà, Waluigi. Assez marrant. Allez, je vous montre un peu, hein, je vous montre un peu toutes les maisons de poupées. On peut dire ça. C'est des maisons de poupées. Voilà, avec tous les cadeaux qu'il y a. Regardez. Voilà, Wario. Hop là. Voilà, Yoshi. Ah, franchement, c'était une bonne petite partie, hein. Vous savez quoi? Ça m'a vraiment requinqué là. Voilà, là c'est Peach avec le portrait de Bowser, c'est marrant. Et voilà, on finit par Luigi. Bon, c'est très très sympathique. J'ai le temps de vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, voilà, ça me tenait à cœur de vous le montrer, ça. Je vais vous montrer quelque chose d'autre, d'autres mini-jeux. Le mode extra. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, hein. Le mode extra. Voilà, extra room. Il y a d'autres mini-jeux, dont un mini-jeu que j'affectionne particulièrement. C'est le niveau du livre, enfin le mini-jeu du cerf-livre, qui est vraiment superbe. Surtout quand tu joues avec des amis, tu peux aller très très loin. Non. Donc là, regardez, là c'est des petits mini-jeux, c'est des petits plateaux. Là, regardez, là sur le tourbe, c'est des plateaux assez bizarres et puis quelques petits mini-jeux. Là, c'est des petits mini-jeux. Voilà. Des petits mini-jeux. Et là, c'est du volley-ball. Non, c'est du beach volley. Du beach volley. C'est vraiment, vraiment très sympathique. Et je vous montrerai ça, l'extra room, dans une prochaine vidéo. J'en ferai une prochaine vidéo de Mario Party 4. Je ne saurais vous dire quand, mais j'en referai une. Je veux juste vous montrer un mini-jeu et puis après on s'arrêtera là. Après on s'arrêtera là. Donc là je vais prendre Luigi. On va prendre les mêmes. On reprend les mêmes. Et on recommence. Voilà.
on met en hard. Je mets serre livre extrême. Ok, record, là mon record c'est 27 pages. Enfin, vous allez voir comment ça se joue. En fait, il y a des pages de livres qui vont se tourner sur nous, qui vont se renfermer sur nous. Et vous voyez, il y a des trous. Il va falloir rentrer dans les trous. Donc là, je vais essayer de jouer de mon mieux, faire de mon mieux. Voilà. Ouais, il faut pas se coller aux autres CPU, parce que vous regardez Wario et Mario qui étaient en train de se friter. Laisse-moi la place, non moi. Oulala, oulala. C'est assez chaud, il faut faire très attention. Ok, je me mets ici. Là, je me mets. Non, je me mets là. Ouah, c'est chaud là. Des fois, tu te fais trouver, mais je sais pas comment. Ouf. Allez. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Ok. Oh, Wario est mort. Wario est le premier à être mort. Trop gros, mon pauvre Wario. Oh oui. Alors là, maintenant, je continue jusqu'à que je meure. Jusqu'à que je meure, je continue. Donc, je suis sûr de l'avoir réussi déjà. Allez, peut-être le record. Je vais essayer de me battre pour le record. Hop là. Là, faut bien observer où est-ce que ça va être les trous. Ok. 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 Oh là là. Non, c'est impossible. Là, c'est impossible de refaire le chemin inverse. Mais pas mal. Eh, 24. Score de 24. Vraiment excellent. Bon, eh, l'extra room, vous savez quoi, je vous montrerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai que des trucs de l'extra room. Et le gagnant est... Waluigi! Yeah! Waluigi, the winner! Voilà, 24 pages, alors que Mario et Luigi en ont fait 11 et Wario 9. Voilà, voilà, donc je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo s'éternise de trop quand même. Parce qu'après, faut pas faire trop long non plus. Bien voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour le visionnage. Franchement, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo et je me suis bien marré. Franchement, c'était très sympathique. Bien, je remettrai ça sur Mario Party 4, mais je ferai aussi avant cela, avant de remettre sur Mario Party 4, je ferai sur Mario Party 5. Parce que ce Mario Party 5 me tient à cœur et c'est vraiment mon Mario Party préféré. Bien, moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Je me répète. Franchement, je commence à devenir un peu vieux. Je me répète un peu. Donc, bon, je vais faire simple. Salut.